Salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode 2 de ce tuto incroyable sur Rimworld. Le premier vous a bien plu apparemment, j'ai très bon retour dans les commentaires donc ça fait plaisir, c'est du boulot à faire quand même, mine de rien. Là c'est une vidéo qui est écrite, enfin le premier épisode c'est une vidéo écrite parce que faut pas que j'oublie le truc. Donc voilà, alors on en était où sur le petit pote là? Bonnar Cora, Fumiko c'est le clébard je crois, enfin le loup ouais. Knipe il est où? Knipe. Knipe il est en train de terminer, ah oui super. On avait ce mec-là, mais oui, on l'a laissé mourir, on n'en voulait pas. Et on a vision. Ok. On lui fait une petite tombe à notre pote. Pas notre pote, donc il n'est pas notre pote. Est-ce qu'on l'a fait dans la truc? Non, on va la faire à la porte. Ouais, me faire chier ici. Je vais la faire là. Comme ça, quand les ennemis vont arriver, ils vont voir la tombe de leur pote, là. Ça va les faire flipper. Cadeau venant. Oh, il nous laisse un petit cadeau. Les indigènes de la faction, le peuple, dit, oh, on laissait un cadeau. Ils nous ont laissé 132 d'argent pour des raisons personnelles. Mais nous l'avons pas refusé. Merci les gars, à la prochaine. Demandez peut-être à Cora de venir me poser la tombe. Parce que ça, vous allez voir. Normalement, on va le voir là. Rocher de Knipe, à manger, très inconfortable. La vie d'une chambre, oui, non, elle s'en fout. C'est horrible. Knipe. Non, ils s'en foutent pour l'instant. Ils s'en foutent, mais au bout d'un moment, ils vont avoir un trait négatif. Parce que ils ont vu un cadavre. Voilà, vient de voir un cadavre, moins 4. Donc on veut s'en débarrasser au plus vite. Hop. Vous pouvez aussi choisir ce que vous mettez dans les tombes. Hein. Toujours pareil quand vous avez le petit truc de stockage. Donc le cadavre d'humanoïdes, d'animaux, les carcasses de mécanoïdes. Bon. Moi je touche pas, je laisse ça. Hop, je demande à Kai. À Knaïm de me l'enfouir. Voilà. Terminé ça les petits choux. Hop. On voit Bonnard qui est en train. Être en vitesse plus tranquille. Qui est en train de dresser le loup. Voilà, apprivoiser, sauf t'as 100%, 100% de chance, 1 sur 2. Donc là, quand on va sur le clébard, on va dans entraîner, et on voit qu'il est sauvetage 1 sur 2. Donc on a déjà fait la domestication, le dressage, l'attaque, le sauvetage et le transport qui est très pratique. Hop, laisse rouler. Voilà, déjà on est sécure. Enfin, sécure, faut le dire vite. Mais en gros, ça veut dire que si on a des ennemis qui pop, de n'importe où sur la carte, ils vont venir ici, pour rentrer. Donc déjà, on a réuni le truc là. Là, ils peuvent passer, mais c'est avec des sapeurs, qu'on découvrira plus tard, ou peut-être pas dans ce série de tuto, parce qu'on va pas aller très très loin. Mais des sapeurs, c'est des mecs qui vont creuser vos murs, pour pouvoir vous rejoindre. Ils peuvent creuser la montagne, ils peuvent creuser n'importe où. Hein. C'est les pires, les sapeurs. On les déteste. Ok, là, ils font un coup de ménage, c'est-à-dire qu'ils ont plus rien à faire, donc on va commencer, À quoi, déjà? Sur quoi on part? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder ensemble aujourd'hui? On peut commencer à regarder la sécurité. On peut commencer à faire la sécurité, c'est assez important, c'est assez simple à faire. On va faire le fameux labyrinthe de la mort qui tue. J'essaie de voir s'il n'y a pas des animaux crevés un peu sur la map que je peux récupérer gratos. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. On va les envoyer chasser parce que je crois qu'on en a un peu assez en termes de bouffe là. Il nous reste deux plats, ouais. Toujours surveiller. Vous avez un mode gestionnaire aussi qui existe. Il vous permet de automatiser tout ça, la gestion du bois, de la nourriture et tout. Mais je l'installe souvent et il marche pas à fond parce qu'il faut que vous ayez des colons libres, hein, qui soient pas tout le temps en train de faire quelque chose, sinon ils s'en occupent pas. Donc on a dit faune, qu'est-ce qu'on veut tabasser? L'alpaga, dira-t-on laveur. On va continuer sur nos dindons, hein, on va exterminer toute la race des dindons et des dindes là. Ok, 3 ça devrait le faire. Attends, on va faire lui là qui fait le malin, là le petit rat. Hop, t'es mort, on va te manger. Ok, ensuite on passe sur la recherche. On a mis des gens en recherche? Ouais, on a Bonnard. Bonnard qui fait le dressage, la chasse. Ah, on peut le mettre à la recherche, on peut commencer les recherches. Alors sur les recherches, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent chercher un peu des petites recherches tranquillou. Et se développer peinard. Moi j'aime bien rusher un petit peu l'énergie géothermique. Et je trouve qu'une fois qu'on l'a, on est vraiment peinard. C'est ce qui vous permet de mettre... Et quand vous avez trouvé l'énergie géothermique, vous pouvez les mettre là, sur les petits trous de balles qui font de la vapeur, là. Et ça vous fait énormément d'électricité. Et une fois que vous avez l'électricité dans Rimworld, la vie est quand même beaucoup plus belle. Mais par contre, le problème, c'est que cette recherche, c'est 3200 points. C'est énorme. C'est énorme. Quand vous avez 3 bonhommes, c'est énorme. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il y a Bonnard, il va faire que ça, quasiment. Une fois qu'il aura fait, comme on a vu, bah, toutes ces choses-là, ses priorités avant, le dressage, la chasse, couper les arbres s'il y en a, bam, il va se mettre sur la recherche. Et du coup, on va le bloquer pendant un paquet de temps. Sauf si je mets la recherche en priorité moins haute. On peut aussi débloquer la plantation d'arbres.
qui nous sert à planter des arbres. Merci Bonnet, incroyable. Et mais surtout qui va nous donner accès au cacao pour avoir du chocolat. Ouais, putain, merci Bonnet, c'est incroyable ce que tu nous dis ce matin là. Le cacao surtout, ce qui est cool, c'est que ça donne des bonus d'humeur à vos colons. Et ça vaut un paquet de pognon à revendre. Donc pour faire de l'argent, c'est bien. Moi, j'aime bien le débloquer aussi assez rapidement. Même si c'est très long à planter. Et ça se trouve, on peut peut-être même pas le planter. Je sais pas s'il y a un niveau pour planter du cacao. La forge aussi, qui peut être intéressante pour débloquer les armes, les armures. L'usinage, qui va nous permettre après de faire les petites armureries, tout ça. Vous voyez, de toute façon, c'est tout. Tout ce qui vous débloque, c'est écrit. Vous avez un petit résumé là, et ça vous le dit. Casque renforcé, les gilets pare-balles. Nous, ce qu'on aime bien aller chercher, c'est les petites tourelles automatisées. Les mini-tourelles pour la défense. Mais pour les tourelles, il nous faut l'électricité. Ouais, non, je vais rester sur mon idée de base. Comme je vous dis, hein. C'est ma façon de faire. C'est sûrement pas la meilleure. Il a flingué le rat. Ok, et pendant ce temps, on va se concentrer un petit peu pour améliorer cette défense. Donc on va faire ouais, ce célèbre labyrinthe de la mort. On va fermer là. Il est un peu petit, Bonnet, il est un peu petit. Oh, après, tu me diras pour 3 épisodes. Ouais. Ok, donc là, vous faites ça, l'espèce de petit labyrinthe. On va les laisser construire. Vous placez une porte là pour que vos colons puissent sortir, rentrer sans passer par le labyrinthe. Ah oui, ils sont partis à la chasse sur les dindons, ok. C'est bon, ils ont flingué les deux dindons, la dinde et le petit rat. Par contre, ah merci Knipe. Vous voyez, il voulait pas cuisiner le gros. On est en train de dormir. Et vu que Knipe est somnambule, noctambule, pardon. Oui, bah, aucun rapport, somnambule. Il bosse la nuit. Et c'est le problème d'avoir fait un petit dortoir. C'est que là, en fait, il fait chier tout le monde. Là, normalement, dortoir repoussant, bon, ça, on est d'accord. Sommeil troublé x3. Donc là, il faut un bordel insupportable, Knipe, pendant qu'il dorme. Et ce qui fait que ça leur met des trucs dans la gueule. Et lui, c'est pareil. Quand il va dormir la journée, Bonnard et Cora, ils vont faire leur vie, quoi, dans le machin. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je leur fasse leur petite chambre individuelle après. Mais c'est un petit bonus, c'est un petit truc, ça... pas non plus énorme, c'est où? Moins 3, tu vois, ça va, pas... ça va, ça va être moins 1. Je vois moins 3, mais c'est x3. Et oh là là, on a tout compliqué là. On va se concentrer sur ça va être fini. Ok, la chlorale nous pose la porte, incroyable. Regardez-moi ça, les tocards là. Oh mais attends, fou. Comment ça tu bouffes des rations de survie, escroc? Ah, t'es d'y toucher, ça. Ça aussi, vous y touchez pas. Ça, c'est pour leur éviter d'y prendre. Hein. Mais je crois que s'ils sont en galère de bouffe, ils vont quand même le prendre. Hein. 10, c'est bon. On en a d'avance. Ok. Donc là, vous avez fait ça. Putain, mais c'est ces arbres de mort. Vous allez dans... sécurité. Alors là, vous pouvez faire des pièges en bois. Ou des pièges... Enfin, des pièges à pointe en bois ou en métal, pour l'instant. En métal, ils font plus de dégâts, mais en fait, en fin de compte, ces pièges, dès qu'ils sont déclenchés, faut qu'on vienne les recharger. Les remettre en route, et ça coûte des composants, quoi. Enfin, ça coûte des matières premières. Donc, je pense qu'on va faire en bois. Pas besoin de s'emmerder plus que ça. On va peut-être démarrer là. Tac, comme ça. Ça. Ah, ça me plaît pas trop, là. Oh, quoique, en vrai, on s'en fiche. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, vos colons vont prendre la porte. Posez... Alors, merde, non. Oui. J'aurais dû faire autre chose avant. Un peu con. Erreur. On met des portes entre. Si. Si. Et aussi pour faire ceux du bas. Voilà. Pourquoi? Parce que vos colons peuvent prendre les pièges dans la gueule. On va sûrement le voir là. En espérant qu'il n'y en ait pas un qui meurt. On prend les pièges avant, du coup. J'ai envie de canner. C'est normal, c'est ma faute. Après, tu me diras, ça vous permettra de vous montrer. Oui, vos propres colons peuvent prendre les pièges. Donc on met des portes entre pour qu'en fait ils passent par la porte là, ils font suite gauche, ils font suite droite. Ils prennent la porte là, ils font tac tac, tu vois ce que je veux dire? Ainsi de suite. Alors je pourrais enlever celle-là en vrai. D'ailleurs, où ce que je vais faire? Je vais pas m'emmerder. On enlève celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent par cette porte-là, ils font les deux là, ils rentrent par celle-là, ils font les deux là. Ainsi de suite là, là, là pareil, et là les deux extérieurs, ils les font sans... Ok, parfait. Visiteur en relation. Un groupe venu de l'Alliance d'Iseron vient visiter votre colonie. Il semblerait qu'ils aient quelques objets à échanger. Des personnes du groupe venant d'arriver ont des liens avec vos colons, vos prisonniers. Villageoise Yves, ok. Amoureuse de colon Knipe. Ah, Yves est arrivé. Mais, ah oui, Knipe, c'est pour ça qu'il rejette connaissance. Non, c'est vision. Mon fils, oui, bah oui, c'est quand même ton fils.
Ok, et on peut faire quelque chose? Non, je crois pas. Ils sont juste là, on peut discuter, on peut aller marchander, c'est bon, je crois. On va dire que oui. Et nous échanger, les gars. Ouais, non, pas grand chose de fou. Ils sont pas intéressés par notre vision, mais de toute façon, on veut la garder. Ouais, non, non, mais il y a rien de. Ouais, faites votre vie, hein. Faites votre vie, vous avez rien d'intéressant. Ah, plus de bois, peut-être. Il y en a 8 ici, effectivement. On va demander de ramasser un peu de bois, on va pas s'embêter, on va faire. Voilà. Et autour. Voilà, donc là, on a un bon petit système de sécurité, tant qu'il y a. Oh le lapin! Le lapin mort dans nos pièges. Comment ça apprivoiser? Il est pas mort? Ah non, il est en train de souffrir, comme jamais. On va le laisser s'éteindre. L'autre, il était rangé? Oui, il était rangé là. La dernière demeure des morts pour leur faire un lieu de repos digne. Ouais, une tombe, quoi. Ah oui! Le lapin a été ramené. Ok. Bon, ils font les pièges. Très mauvaise idée. Écoutez. Normalement, ils vont juste suivre le chemin. Les colons sortiront par là. Même si là, j'aime bien, moi. Cora est prise de piège. Voilà, bah Cora a pris un piège dans la gueule. C'est ma faute, hein, parce que j'aurais dû annuler ça dès le début, mais je voulais vous montrer, donc je vais les annuler maintenant. Le temps qu'ils finissent les portes. Elle aurait pu en reprendre et mourir, hein. Et là, on voit qu'elle a quand même pris pas mal, hein. Perforation du torse, épaule, bras, poumon. Enfin, elle se fait éclater, hein. C'est un peu violent, quand même, ces petits pièges. Donc faites pas comme moi. Faites les portes avant. Et après, vous placez vos pièges. Là, au moins, ça a permis de montrer que, voilà, nos colons peuvent en prendre plein la gueule. Elle, comment elle va? Comment tu vas, Josie? 7,4, sa résistance descend, et avec nous, elle est très amie avec Bonnard, du coup, mais elle est toujours en rival avec Cora et Knipe, hein. C'est normal. Là, il n'y a que Bonnard, voilà, on voit qu'il va lui parler. Bonnard a parlé de Vison au sujet de la colonie. Bonnard a raconté une histoire familiale des chapeaux haute forme à Vison. Vison a parlé... Non, Bonnard a parlé à Vison au sujet de rejoindre la colonie. Okay, ouais. Force un peu, mais c'est normal, c'est ce qu'on veut. Il n'y en a pas un de vous qui peut... Ouais, voilà. Oh, génial. Alors là, voilà ce qui vient de se passer. C'est que là, on a pris... non, lui en dessous. Arataboum dans la tronche. Enfin, dans la tronche. Il n'était pas énervé, il se baladait. Mais il a déclenché les pièges, du coup. Et il est mort. Et quand un Arataboum explose, c'est comme les Boomalop, ça fait ça. Une magnifique explosion. Donc là, on réveille tout le monde. Et voilà, on voit qu'ils se jettent tous sur le truc parce que on les a mis en pompier 1. C'est-à-dire, même avant de dormir, même en quoi que ce soit, il sait même qu'Aura, tu vois, elle se lève pour venir éteindre le feu. C'est le plus important. Voilà, ça, on annule. On va reprendre nos portes. Pourquoi il veut pas que je la mette là? On va les laisser réparer. On a pas assez de bois, là? J'avais demandé trop. Ouais, non, mais raté. Faut que je fasse gaffe aussi à ça. J'ai pas l'habitude de jouer avec... Enfin, sans le mode stockage. Fait que là, ouais, c'est des petits tas de 75, hein, donc ça se remplit très vite. Très vite. Alors vous avez des mods, énormément de mods qui sont sortis, comme Stack Ogre, je crois, Stack XXL, tout ça. Ça vous permet de faire des piles bien plus grosses et du coup, vous prend moins de place et ça vous fait des petits des trucs plus esthétiques. Ok, c'est bon. Oh là là, fais pas la con dans les pièges encore. Hein, voilà, elle répare un peu tout. Et ça, tout ça, on aimerait bien y passer en pierre plus tard, évidemment. C'est un peu le but. Hop, allez, on remet les pièges, maintenant, il faudrait utiliser les portes. Alors oui, c'est pas très beau, si j'avais agrandi de 1 de plus de chaque côté, on aurait eu un retour de mur à côté des portes là et là, et là. Donc là, ça fait pas très beau, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour vous montrer le principe. Après, vous pouvez le faire beaucoup, voilà, ça chasse pour nous. Vous pouvez le faire beaucoup plus grand, hein. Vous pouvez le faire sur des kilomètres, le bordel. Hein. On aura piqué au piège, on sait. La recherche, ah, Bonnard a déjà commencé, hein. Ça prend son temps, mais ok. Donc voilà. On va... Non, je vais laisser faire. J'ai commencé les maisons, mais on va laisser terminer ça. Il reste plus qu'un piège à faire. Voilà, merci Cora. Voilà. Et là, on est bien. Là, vous êtes peinard pour vos premières heures de jeu. Normalement. Sauf si vous jouez en très haut level. Dire, vous aurez des raids très durs très vite. Et du coup, ce petit truc nul, là, servira à rien. Réfléchis à comment je pars sur mes maisons. Vous faire plein de style, hein. Souvent on démarre sur un truc comme ça, assez droit, enfin rectangulaire, carré comme vous voulez. Hmm.
Cora va encore se retourner dans sa tombe quand elle va voir ça. Elle déteste quand je fais mes maisons comme ça. Mes maisons Tipeee, je les appelle, je les aime trop. Cora est tellement méchante. Hop, hop, hop. Non, mais toi, 20 ans, par contre. On les colle. Ah. Non, qu'est-ce que je coupe ? Tranquille. Éclatez-vous en or et mort, là, vraiment. Laissez libre cours à votre imagination. Hein. C'est votre seule limite. Surtout avec la communauté de modeurs qu'on a. Vraiment s'éclater. Regardez-moi ça, elles sont incroyables mes petites maisons. C'est les maisons tentes. Ils ont le bois, hein, je crois. Hein. Ils ont plus de bois. Ah ouais, hein, ça consomme quand même, mine de rien. Pourquoi ? Ah voilà, elle, attention. Elle, j'avais placé son lit en médical pour qu'on puisse la soigner parce qu'elle était éclatée. Maintenant, on voit qu'elle est plus éclatée. Enfin, elle a vite fait des cicatrices, mais rien de grave. Et du coup, elle dort plus dans son lit parce que son lit est médical. Donc, faut que je le remette en normal. Parce que vous voyez, il y a une différence. Là, il est en normal. C'est un lit prisonnier normal. Là, quand vous l'actionnez, paf, il est marron foncé. C'est un peu comme les lilas quand on les met en bleu. Enfin, en médical, il passe en bleu. Hop. Donc voilà, elle pourra redormir dans son lit après. On va recouper un peu de bois, du coup. Non. Voilà, ça se fait pas à la pioche, voilà. Hop. Tac, tac. On va récolter ça au passage, ça aussi. Ok, là. Tac. Tac. Là, on récolte un peu ce qu'il y a autour de notre base. On se fait pas chier. On voit que les champs, ça pousse pas encore. Là, hop, hop. Tout ça, hein, on peut pas en avoir avant. Donc là, on en a combien? On en a 6. Là, il joue un peu. Là, il ramasse. Parfait, ça roule, hein, ça roule. On est plutôt content. Hein. Et plus qu'elle, tu vois, elle a passé à 3,6 la résistance. Donc c'est cool. Elle va nous rejoindre. Risque de démence. Hop, on met pause. Bonnard, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Alors, il a une grosse faim. Il souffre moyennement. Pourquoi? Ah, il a pris une intoxication alimentaire. Ça, c'est chiant. Il est dans le noir. Il a un dortoir médiocre. Il a mangé sans table. Il a le sommeil. Pourquoi tu manges sans table? Il est trempé jusqu'aux os. Oui, bah ça va passer. Et pourquoi vous mangez sans table? Vous avez une belle table. Oh. N'hésitez pas à mettre des tables un peu partout dans votre base. Parce que c'est con, quand ils ont un plat et qu'ils sont ici, ils veulent pas rentrer pour manger. Donc ils mangent debout et ils prennent le malus. Encore des marchands. Allez, venez les potes. Ah, vous pouvez déplacer vos colons aussi. Avec clic droit, vous restez à pied. Vous le prenez là, je fais clic droit sur Knipe. Vous pouvez le déplacer pour si vous le changez. Là, moi, j'ai mis mes deux tireurs à gauche et Knipe au corps à corps à droite. Des petits trucs comme ça, je sais pas si vous saviez. J'en profite, pendant que j'y pense. On a plus de bois? Si, faut juste qu'il le coupe. Là, ils sont partis dormir, il y a que Knipe qui bosse. Pas sûr qu'il reste longtemps, le marchand. T'en es où, Bonnard, là? Non, besoin. Repos. C'est bientôt fini, plaisir. Beauté, ouais, je sais que c'est un peu moche. Ouais, je sais, je sais. Mais regarde-moi, regardez-moi ces petites chambres, là. De couper du bois. En fait, c'est chiant parce qu'ils coupent du bois au fur et à mesure et ils construisent direct. Quête active. Oh là là, notre première quête. Alors attention, les quêtes, comme ceux qui le savent depuis qu'ils... Oh là là, oh, j'ai du mal ce matin, je suis désolé. Faut que j'arrête de tourner le matin en vrai. Allez, le collecteur de trésors. Nous avons intercepté des messages à propos d'objets valant 870 balles planqués non loin de Cloquette. Ces objets sont griffes énergétiques, bouclier d'énergie, bon. Apparemment, il y a une meute de deux Yorkshire terriers, chasseurs d'hommes, errant à proximité et une menace inconnue est possible. Et en échange, on a un bouclier d'énergie, une griffe énergétique. Ça, c'est cool, hein. C'est cool. Donc là, on nous dit qu'il y a un truc qui est planqué par là-bas et qu'il y a deux chiens, deux Yorkshire de mort, là, qui gardent le site. Et peut-être une menace inconnue. Elle est possible, c'est pas sûr. Donc on va à la planque, on va voir où c'est. Il nous génère la planète. Oh, notre baraque est là, nous. C'est l'espèce de bleu, le bleu machin. C'est pas très très loin en vrai, hein, puisqu'on prend la route là. Qui en suit jusqu'ici. Hein. Hmm. Après, on n'est que 3. On va le faire pour la vidéo. On envoie, donc là, pour... non, attends, je vais montrer
rentrer. Non. Ah, voilà. On retourne sur notre carte. En train de me dire, est-ce que je prends... Ah si, je prends Bonnard et le loup. Vu qu'il y a deux Yorkshire en plus. Ah, ça peut être pas mal. Donc vous êtes là, vous voulez aller ici. Donc hop, vous cliquez sur votre maison. Ouais, c'est cette espèce de bleu un peu... C'est le seul bleu comme ça. Hein. Vous voyez, après c'est un autre bleu un peu plus clair. C'est pas tout à fait pareil. Vous faites former une caravane. Hop, et il vous sort ce machin là. Vous avez cette souris, vous avez un gros point là. Vous avez cette souris qui indique là. Cliquez pour entrer dans le monde de planification. Vous pouvez planifier votre chemin. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller ici. Donc on fait clic droit. Hop là. Et là, il nous dit... Durée du trajet, 6 jours, vitesse de caravane par défaut, la durée réelle peut varier, clic droit, machin, là. Ok, donc on fait accepter, c'est bien là où on va aller. Là, il nous demande qui c'est qu'on veut prendre. Donc nous, on veut prendre Bonnard, avec son fusil, sa carabine de survie. Et on va prendre son loup avec. De toute façon, ils sont en relation. Maître Bonnard, lié à Bonnard, donc autant les mettre ensemble, surtout pour de Yorkshire. Les articles, on n'a besoin de rien en particulier, on va pas emmener plus de choses. On peut... non, je crois que même les sacs de couchage, maintenant, ils sont dans les provisions de voyage. Là, vous décochez ça, parce que sinon, lui, il vous prend. Il vous prend 5 rations de survie et 2 herbes médicinales. Là, par contre, je vois que j'ai pas de plat. J'ai pas spécialement envie d'utiliser ma ration de survie pour aller si près. Donc, hop, je vais voir pourquoi. Pourquoi j'ai pas de plat? Parce que j'ai plus de bouffe. Bon moyen de s'en rendre compte, ça. Donc, on va déjà faire la bouffe. Les dindons qui reviennent, hein, on continue de flinguer du dindon. Hein. Bonnard, est-ce que tu peux vite fait voir si on a rien à commercer avec nos petits potes? Alors, ils nous vendent des brebis. Un dromadaire, pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Un dromadaire qu'on peut monter. Cet animal peut être chevauché, les membres d'une caravane chevaucheront les animaux disponibles les plus rapides, améliorant la vitesse de l'ensemble de la caravane. Vitesse de déplacement de caravane, 130%, on passerait. Pas mal. Mais on n'en a pas besoin, il faut les nourrir, il faut les entretenir, on s'en fout. Je suis intéressé par mon pantalon, il veut un peu mon acier, mon cuir. Ça peut être intéressant de l'acier, parce que l'acier, on peut en avoir beaucoup. Ça peut nous faire un peu d'argent. Il veut un pot de fleurs en bois, c'est un chef-d'œuvre. Le vend à 80 balles. Non mais pareil, on va rien lui prendre, on n'a pas grand chose à, commercer. Là, il nous vend un peu le chocolat. 3,80 pour le chocolat, c'est quand même rentable. Non, non, mais pareil, on n'a rien. Faites la chasse, les potes. Ah, au feu. Là, bon, on a de la chance, il pleut. Donc on s'en préoccupe pas, plus que ça. Si on est en train de s'énerver là dans sa chambre, ça serait bien. Je la passe maintenant en recruté. On a 1,3 de résistance. Et salut les potes. Ah, il y a encore une bête qui a crevé là-dedans, apparemment. Là, on va demander, par exemple, à Cora, qui chasse le dindon. Bonnard, qui essaie de recruter. Bah, viens faire ça. Ne peut pas. Non, on fait que ta construction. Ah bon, on va attendre Cora. On va laisser flinguer le dindon, Cora. Voilà. Tac. Ah, mais elle l'a même pas eu. Bravo. Là, on va lui demander. Ne peut pas apporter. Besoin de matériaux bois. Oh. Bon, elle va nettoyer. Juste pour voir si elle prend bien le passage. Elle prend bien les portes, sans passer par les pièges. Bon, elle nettoie juste le sang, là, du coup, mais bon. Bon, faut qu'on coupe du bois. Ouais, si, vous êtes tous en 1, hein, mais ils ont d'autres choses à foutre, apparemment, donc pourquoi pas. Cora qui est partie au lit. Pas plus d'électricité. Je pourrais mettre des lumières, là, hein, plutôt que rester à la torche, mais... L'avantage, c'est quoi là? Quand j'ai plus de bois, on reste quand même éclairé là-dedans. Même si mettre 2-3 petites lumières, ça coûte pas bien cher. Je sais pas combien, elle consomme de base dans le jeu. Je crois pas que j'ai mis. J'ai pas mis les lumières murales, non. Un lampadaire. Ça me coûte 20 d'acier. Ça consomme 30 d'énergie. Oui. Oh. Bon, psychique apaisante pour les hommes. Oh, on va aller voir ça. On va mettre ça là. Alors, chaque colon homme sourit de contentement. Une lointaine technologie de bien-être est en train de se réveiller. Elle projette une onde psychique sur ce site via un amplificateur orbital, dont la fréquence n'affecte que les hommes. Dans quelques jours, certaines personnes seront également seront légèrement de meilleures humeurs. On voit qu'ils prennent un petit truc, qu'est-ce qu'on le voit dans les besoins? Plein d'espoir, j'aime beaucoup mon travail, attente très faible, apaisement psychique, 16 hein. Donc, Cora l'a pas, elle, vu que c'est une nana. Et puis là aussi, donc ça c'est cool hein. C'est cool. On a commencé les plats là, non? Et puis il veut pas faire les plats. Ah, on passe en été. Ça c'est cool. Donc on a encore le temps de faire des cultures. Ne peut pas. Ah oui, non, mais d'accord. Ok, bah alimente le générateur, je t'en supplie. Et fais des plats gros. Oh, Vison nous a rejoint, c'est ultra rapide. Salut Vison. Ouais, je suis désolé par contre, mais ouais.
Bonnard, tu peux juste... Ouais, placer le lit. Ah mais non, mais le... Terrible, je pense qu'il aime le passer en normal. Oh, il y a des petits cœurs encore. Hein. Ah mais c'est Cora qui est encore en train de draguer Knipe. Hein. Ah non, c'est Knipe qui a essayé de flirter avec Cora. En complimentant son visage, Cora l'a rejeté. On comprend rien, c'est les feux de l'amour hein, cette saison-là. C'est pas Cora qui était... à fond sur Knipe. Et lui, il a son amoureuse. Vera Yvenue. Oh, il fout un bordel, c'est colon, c'est insupportable. T'as un lit, poulette, là? Pourquoi tu dors par terre? Ok, elle est passée au champ, on va la régler tout de suite. Hop, alors, pompier passion reste en 1, elle fait pas de médecin, on voit qu'elle a 0. Le transport, la manutention, geôlier, elle aime bien ça, mais on a Bonnard qu'à 6, donc autant laisser Bonnard. Cuisine, c'est pareil, elle a un peu de points, mais je préfère laisser Knipe. Ah, 4. Ah oui, d'accord, ils sont tous en 4 en cuisine. J'ai bien géré mon truc encore, moi. Chasseur, ouais, mais t'as pas d'arme à distance. On va essayer de t'en trouver une, on va essayer de faire un arc. Fermière, par contre, ouais, tu vas faire la ferme tout de suite. Forestier aussi. Forgeron, on s'en fout un peu, et voilà. Et toi, ton truc sera la ferme. Alors, là, vous allez dans prod. Lieu d'assemblage, pour faire un truc rapide. Hein. Là-dedans, on va demander la fabrication d'un arc. Ainsi que de vêtements, parce qu'elle est nue. Elle est nue. Voilà. On peut peut-être faire une massue aussi pour Knipe. Ce serait mieux que son couteau nul, là. Knipe, on est d'accord qu'en termes de tir... Ah, si, mais putain, Knipe, il est meilleur en... Je sais personne au corps à corps. Elle, vite fait. Enfin, elle, vite... Non, mais elle est très forte en tir aussi. Ah non, bah alors, laisse tomber. Hein. Lâche, laisse tomber le... La massue, on va se faire deux arcs. Hein. Et encore un lapin qui est mort, là. C'est gratos, ça. Hein. Il faut la fiesta. J'ai pas de zone de fête. Zone de fête. Venez la faire là. Hop, on réveille tout le monde pour être sûr qu'ils y aillent. Ils font ça dans la zonze. D'ailleurs, il faudra moins construire une copie de ça. Mais vraiment, je l'ai mis là, le truc. Pourquoi vous êtes allé là-dedans? C'est ridicule. Ils sont insupportables. Oh, je vous jure. Ok, ils prennent les plats, ils bouffent. Et là, par contre, je crois qu'ils ont eu ils ont un sacré boost... Des tonnes de joie à assister à une fête. Ils sont vraiment maîtres de Fumiko. Ah, ça, c'est Bonnard. Il est content d'être maître de machin. Ouais, ouais, vous avez vu, ça leur a mis un bon boost, là. C'est cool. Par contre, faut que je force quelqu'un, du coup. Bon, en artisanat et surtout en couturier. Et là, on a Cora. Et comme la passer en 2, ma Cora, sur ça. Et en 3 sur... Non, mais même laisse tomber la ferme, ma poule, en vrai. Le bois, je peux te laisser pour l'instant. Comme ça, chasseur, construction, mais surtout forgeron et tout, comme ça elle va pouvoir faire le truc. Je vais la forcer. Elle a pas envie, là, elle fait autre chose. Ok, on a fait les chambres d'ailleurs, putain. Je la ramasse là sur ça. Et il faut qu'on en fasse une deuxième du coup. Une quatrième même. Pareil, ça c'est absolument pas worth de faire ça. Vous savez que ça prend énormément de place pour rien. Ouais. Tac, 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 tac. On va leur mettre. La ventilation entre les chambres pour qu'ils puissent se parler. Tac, tac, tac. Ensuite, on mettra le sol. Et vas-y, fais-nous un. Ah, on a déjà fait un, Cora. Et les vêtements maintenant, ok, cool. Ah, t'es pas trop éclaté. Alors, on partit bosser sur autre chose. Ah ouais. T'as peur de rien, Cora. Il nous manquera plus que ça. Ça y est, il faut peut-être quelque chose de particulier. La laine, du diabétof, du tissu, ouais, je crois qu'on n'a pas grand-chose encore. Ne peut pas. Besoin de matériaux. Ok. Vison, est-ce que tu peux... Ouais. Non, mais par contre... Bon, viens dormir là, je t'en supplie. Ça, c'est pour les prisonniers, ça. Knipe, viens nous équiper l'arc, mon petit chou. Tac. Donc, pareil. Tac. Et viens forcer à porter les guillis. T'es pas nudiste, hein. À poil là, les fesses à l'air. Non, Patos. Non, t'avais un pantalon. Ah, t'as bien ton pantalon pour mettre une... Oui, ok, bon. On a fait des plats? Non, on est encore en galère de plats. J'arrive pas à faire les plats pour pouvoir partir faire la quête, c'est incroyable. Nouveaux amoureux. Bonnard a fait la cour à Vison. En décrivant Vison comme une aurore brillante. Vison a été attirée et devient l'amoureuse de Bonnard. Bonnard et Vison veulent maintenant dormir ensemble, envisager de leur assigner un lit double. Attendez, on est en train de faire les chambres. Incroyable, mais Bonnard, il n'était pas sur Cora au taquet, au début. Cora a charmé Bonnard. Bonnard a essayé d'attirer Cora. Cora n'a pas répondu.
Ils sont cons, hein, ils sont cons, je vous jure. Ils auraient pu être ensemble depuis longtemps. Hein. Bonnard, en parlant de ses propres vêtements, Bonnard a à peine répondu. Cora à peine... Ils se font la gueule et ils s'adorent en même temps. Mais du coup, Cora, il s'est dit, oh, la petite vision, là. Petite vision, comment on l'appelle, la petite vision? Vous m'avez donné que deux noms. J'ai Hannibal. Ah, bah, mon cactus, qu'il aime bien, lui. Il s'en fout d'être une femme ou un homme. Il s'en tabasse. Hop, t'es de retour, mon gros. Dis-vous de faire ça. Non, toi, amène-toi d'aller chasser. Il faut que je chasse plus gros. Hein. On va chasser trois alpagas là. Paf. On pourrait les prendre pour les. Il n'y a plus de bois. Ouf. Je vais couper ça à l'occasion. J'aimerais bien partir. Après, tu me diras, je peux partir avec l'instant de survie. On en a 27. Je suis pas sûr qu'on les utilise toutes avant de se casser. Ah, bah, du coup, ouais. Là, vous pouvez tous faire de la chasse maintenant. Voilà. Vas-y, Lectus. Vas-y, Cactus. Montre-nous de quoi t'es capable, bordel. C'est raté. C'est raté. Oh, c'est la merde, hein. Oh, c'est la merde. Oh, sans le run and gun. Oh, il l'a eu. Range à toi. Enfin, il y en a mis une, quoi. Et ça, c'est bon. Dégagez-moi cette pierre de là. On fait les sols. Oh, on va mettre du sol en bois, hein. Hop, on n'oublie pas de faire sous la porte, hein, sinon... D'ailleurs. Voilà. Bon, des petites chambres, quatre petites chambres jolies, même si j'en ai pas besoin de quatre, du coup, vu que Bonnard et Vison et Cactus vont dormir ensemble. Mon psychique risque de démence pour Cora. Qu'est-ce qui se passe, ma poule? Rocher de Snipe x 4, moins 17. Oh. Snipe, tu veux pas te sacrifier, s'il te plaît, gros? Y a pas un moment où... Ok, ok. J'ai cru que c'était... Ok. Alors, on se prend un petit raid. Il se prépare un certain temps à l'attaquer. Très bien. Et tu es... Ok. Tu es Rissa. Tu es complètement rebou. En vêtements usés, tu es nu. Gâchette facile et boulémique. Très bonne en recherche. Très bon en médecin. Très bon avec les animaux. C'est un bonheur numéro 2, j'ai l'impression. Sauf qu'elle fait zéro dégâts. En cuistot après, hein. On a Knife en cuistot. Il a 5. Il pourrait faire quoi, Knife, après, si je l'enlève de la cuisine? Un peu d'intellect. Du minage. Les animaux aussi. Non, non, je pense que l'on va la flinguer. C'est qui, les crabes cendrés encore? Oh, fait chier. Bon, on va la laisser faire sa vie. On va attendre d'entendre le petit déclic, là. Il roule, ma poule. Ah oui, bah voilà. Ignorer, tac. Pars pas trop loin, le loup, hein. Je te surveille. Ok, coupe le bois, ils vont nous finir tout ça. Incroyable, ces petites chambres. Arrêtez. Arrêtez. Ok, elle arrive. De toute façon, on s'en fout. On va juste la laisser canner là-dedans. Là, on bouge même pas. On va se mettre en vitesse 1. Voilà, nos colons, ils dorment. On s'en rien à foutre. Alors, ta vie, comment c'était? Eh ben, c'était nul. Allez, merci d'être venu. Voilà, pourquoi je trouve ça très pratique au début. Dans ça, nos storage place. Il n'y a plus de place. Ah non, effectivement. Hmm. On va bourrer. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Faut vraiment qu'ils aient fini le bois, là. Comme ça, on fait leur chambre. Je voudrais bien que Knipe me fasse les... Fait. C'est fait. Voilà, il me les range. Hop, là, ils arrêtent. On retourne dans le monde. On refait ça. Former une caravane. On va ici. Accepter. On reprend notre petit chou bonheur. Le clébard. Article. On veut rien. On prend le cadavre. Non, pas du tout. Là, on décoche. Et il veut pas me... Il me... Vous voyez que là, il me montre pas les plats. Pourquoi? Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui est en train de les utiliser. Voilà. Cactus en a utilisé un. Là, ça devrait être bon. On recommence. C'est un peu chiant, ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça très pénible qu'il y ait cette espèce d'option ou je sais pas quoi, là. Provision. Il y a toujours pas. Putain. Ok, c'est bon. Peut personne prendre plat? Vous arrêtez de me faire chier? Ouais, ça, quand même. Et puis là, pourquoi ils mettent... Ah mais si, c'est les plats verts. Pardon, mais pourquoi ils mettent le plat vert horrible, là? Pardon, pardon. Oh là là, c'est le matin, j'ai du mal. Il est 9h, là. Ok, donc là, moi, je décoche. Parce que là, sinon, tu vois, il me prend 4 rations de survie, 12 viandes d'alpagas, c'est pas pourquoi. Et ah si, pour nourrir le loup, bien vu. Et des herbes médicinales. Mais moi, je veux pas qu'ils prennent des rations de survie. Moi, je veux qu'on les garde, je préfère que tu prennes 5 plats pourris, là.
Médicaments, du houblon, non, non, mais c'est bon. Deux herbicides, si ça se passe pas avec les Yorkshire. Et de la viande de loup, enfin de la viande pour nourrir les. Pour nourrir le loup. Ok, et là vous faites envoyer. Votre caravane n'a que 3,7 jours de nourriture, sera rapidement affamée. Le régime alimentaire de certains colons ne leur permet pas de manger la plupart de la nourriture qui est dans votre caravane. S'ils sont obligés d'en manger à cause de la faim, ils seront malheureux. Êtes-vous sûr de vouloir former cette caravane? Il me dit ça parce qu'il y a de la viande crue. La viande crue, c'est pour nourrir le loup. Je sais même pas s'il y a besoin. Je le fais, mais je sais même pas s'il y a besoin en vrai. Et quand vous partez avec des animaux comme. Oh là là! Alors ça. Attendez. Hop. Ça, c'est catastrophique. Alors que Bonnard s'approche de l'ancien mur. De l'ancien mur, un pressentiment l'envahit. Il ne saurait pas l'expliquer, mais il sent que cette structure poussiéreuse pourrait contenir un grand danger. Là, on va voir ça et on se dit. Oulala. Et ça, c'est ce qu'on appelle les dangers antiques. Et là-dedans, eh ben, je ne vous dis pas ce qu'il y a. On le découvrira soit ensemble pour le dernier épisode. Donc, je vais faire que trois épisodes, hein, trois petits épisodes tuto. Donc, soit on le découvrira ensemble au troisième, soit sinon, je vous laisserai le découvrir par vous-même dans votre partie. Mais faites très attention et n'y allez pas trop tôt. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand vous pétez un mur de là-dedans pour y rentrer, hein, vous déclenchez l'enfer. Hein. Qu'on soit clair et net. Donc là, on voit que Bonnard, il s'est barré, il est plus dans notre colonie, il est un peu écarté et je peux pas le sélectionner. Là, il me dit, voilà, et là on le voit, tac, 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 il court à la route. Hein. Il aurait pu essayer de tracer tout droit, mais comme on le sait, ils veulent rejoindre les routes, ils gagnent plus de temps. Donc au lieu de faire tac, tac, il coupe un peu à travers champ, avec le loup, là, chut, il se balade. Ok, c'est bon, enfin, on a nos machins. Je vais faire tirer l'électricité quand même aussi, au passage. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Alors, ça aussi, ce que je suis en train de faire là, c'est mon cerveau. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire tirer juste un trait là. D'ailleurs, on va le faire. Ça va m'apprendre aussi à arrêter d'être trigger par mon cerveau. Hop, voilà. Pas besoin de plus. Quoique si, j'ai envie de mettre une lumière ici, en fait. C'est pas grave. Moi, d'habitude, je fais tout le tour. Chaque carré chez moi a un câble électrique. Pour le plus grand plaisir de Dude aussi. C'est dégueulasse, là, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment j'ai pu me rater à ce point? J'ai décalé. Je suis un peu... un petit peu contrarié, hein. Je vais mettre une lumière ici. Ouais, oh, bon, écoute, bah c'est un peu moche, voilà. Je ferai des trucs plus jolis que moi, j'en suis sûr. Quoi ça? Oh, du Gojuice. Alors ça, faites attention, hein. Une drogue synthétique de combat développée par les marines de l'espace au début des guerres interplanétaires. Il bloque la douleur, augmente les aptitudes de combat en mêlée et l'habilité au tir. Il augmente également la vitesse de déplacement, les stimulateurs de pouvoir psychique. Alors ça, c'est avec le mode royauté, je crois. Royalty? Ou c'est dans l'idéologie, ça, les trucs de pouvoir psychique nuls, là. Je sais pas. Les chimistes militaires qui l'ont créé n'ont jamais... Je déteste, moi, personnellement, les deux DLC hein, qui ont été rajoutés. C'est vraiment pas ma cam. Ça me bloque dans plein de trucs. Moi, j'aime bien faire mes aventures comme je le sens. Construction échouée, c'est pas grave. Et terminer ça, les petits choux. Risque de démence majeure, clairement, pour Cora. Rejet de Bonnard, rejet de Knight. Cora, la faim, hein, la faim, Cora. Tu vas te calmer, hein, Cora. J'ai appelé ton mari, hein. On va avoir une discussion, parce que là... T'as trop faim, Cora, là, sur cette saison. Calmer, hein. Ok, mettre un coup de balai. Allez, c'est bon. On peut passer au mobilier, maintenant. On va leur mettre des lits doubles. Hein. Les lits doubles leur ajoutent... on va regarder ça ensemble aussi. Alors, confort 0,75, esthétique 1. Efficacité de repos 100%. Multiplicateur de vitesse 107%. Qualité, machin, on s'en fiche un petit peu. Facteur de succès en chirurgie aussi. C'est là-dessus que vous ferez vos opérations. Celui-là que j'avais, c'est celui-là que j'avais. Et lui, on voit que esthétique 2, ça rajoute juste un peu d'esthétique, mais sur le reste, efficacité du repos, c'est pareil, tout ça, c'est pareil. C'est juste au niveau de l'esthétique. Un lit simple pour deux personnes. Donc moi, je leur mets un lit double à tous. Alors là, c'est cool d'avoir fait ces petits trucs, bon, c'est incroyable, parce que tu nous as fait là, c'est beau. Tout le monde est fou, mais je peux pas les centrer là. Je peux être le bourré là. Enfin, je trouve une idée pour arriver à le centrer au niveau de la pièce. Ouais, j'aurais dû faire un de plus haut. Lequel est là, ouais. Oh, c'est pas grave. On va le mettre là, voilà. Pas pour tout le monde, d'ailleurs. Hop, vous serez là. Et vous serez éclaté là. Voilà. Parfait. Il n'y a plus de bois, c'est ça? Ça. Hop.
chien qui me tape dedans là. Je suis en train de m'étrangler. Je suis en train de m'étrangler avec mon câble de casque. T'es en train de m'étrangler tout seul, bordel. Caravane arrivée à la planque. Ah, ça y est, Bonnard a enfin fini le chemin. Le caravane de Bonnard est arrivé à la planque. Il y a des animaux chasseurs d'hommes affectés par la rage dans cette zone. Incroyable. On se rend sur les yeux, sur les lieux. On arrive sur ça, voir la quête. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai qu'on était là pour ça, sauf que vous auriez oublié. J'ai failli la supprimer à l'instant. Zoomer. Oh, il en soit, il a. Terrible, des terribles Yorkshire terriers prêts à nous tuer. En espérant qu'il y ait que ça. Il est où mon Bonnard? Bonnard? Est-ce qu'il est planqué, le con? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Ils sont pas méchants, eux, hein, parce qu'ils sont 8 là quand même. Ça, c'est pas vous tuer par contre. Hein. Ah, il est là. Gros, il peut lâcher les animaux même si ça se passe mal. Écoute, on va aller se planquer derrière un arbre. Pardon. Hop. Lâche les chiens. Ça, c'est pour lâcher les animaux. Comme ça, les animaux, ils partent à l'attaque. Hop. Non. Je me déplace parce que j'ai vu qu'il allait tirer. Et je veux pas qu'il foute une balle dans le loup. Le loup, là, oui, voilà, il va pas prendre trop de dégâts contre le Yorkshire. Donc voilà. La zone est maintenant sûre. Vous pouvez reformer la caravane et quitter le monde. Bah, du coup, non, parce qu'on a envie d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, des fois, vous pourrez pas cliquer. Vous voyez, moi, je peux cliquer dedans. Et des fois, on peut pas. Alors, il suffit de prendre la porte et de la revendiquer. Et là, vous pouvez. Hop. Et. Calme-toi, toi. Le feu. Là donc on voit qu'on récupère bien notre griffe énergétique, donc on se dit à quoi ça sert. Un substitut de main composé de griffes mortelles à chaque doigt. Elle coupe profondément au combat et ses puissants mini cerveaux moteurs peuvent écraser un crâne avec une main naturelle. Un crâne comme une main naturelle écrase un œuf. Les lames peuvent être rétractées, ce qui la rend aussi utile qu'une main biologique pour les tâches ordinaires, mais quelque peu imprécise. Elle ralentit légèrement le mouvement. Donc ça c'est cool. Si on avait un très bon mec au corps à corps, comme par exemple Cactus, qui est très bon correcteur et qui est transhumaniste. Je rappelle que transhumaniste, Cactus se sent limité par son corps faible. Alors, elle rêve souvent d'améliorer ses performances grâce à des parties du corps artificielles, comme ce qu'on vient de trouver. Donc, on va pouvoir la rendre heureuse, parce que là, je crois qu'elle a un tout petit malus. Voilà. Transhumaniste, pareil, c'est pas énorme, mais si on peut le virer, c'est cool, tu vois. Donc, voilà. On retourne sur Bonnard. Donc, si vous voulez pas vous faire chier, elle est dans ma chambre, vous faites double clic sur Bonnard. Hop là. Et on a du coup notre bouclier d'énergie. Et ça, c'est vraiment du truc de corps à corps. Donc, peut-être qu'elle, on la passera. Cactus, peut-être qu'on le passera au corps à corps. Hein. Il est très bon quand même au corps à corps. Même s'il est meilleur en tir, il reste très bon au corps à corps. Ah, ça peut se négocier. Ok. Donc là, vous reprenez là. Vous retournez sur la carte du monde. Tac. Vous recliquez sur ça. Vous faites reformer la caravane. Paf. Donc, il vous remet le même truc qu'on a fait au début. Hop. Il rentre à la maison. Donc, on voit qu'il prend le même chemin. On fait accepter, là on prend bien nos deux potes. Les articles, qu'est-ce qu'on veut? Les cadavres de chiens, je pense qu'ils auront pourri avant qu'on arrive. Donc on prend bien notre griffe énergétique. Il y a un truc de poids aussi, hein. Regardez, 4 kilos. Là les deux clébards ça vaut 15 kilos. Et nous on peut porter que 35 kilos. Parce que le loup porte rien. C'est, je crois que c'est... Ouais c'est ça, il porte rien. Plus 22 kilos, Bonnard. Donc on prend notre griffe. On prend notre bouclier d'énergie, donc c'est bon, 3-4 kilos, on a 23 sur 35. Les provisions de voyage, on prend tout ce qui traîne, viande d'alpaga, machin, les baies, les trucs. Les plats, il y en reste 4, donc vous voyez, le jeu s'est énervé, mais il reste 4 plats. Pour rentrer à la maison, c'est largement bon. Allez, go. Donc voilà. Oh, les chevaux, on a bien envie, hein. Les chevaux, ça, pour les caravanes, c'est pas mal. Hein. Et c'est très très méchant, un cheval. Hein. Oh là là, faut que je l'enterre, l'autre, ils vont encore choper un malus, là, j'ai oublié, là. La cruche qui est morte dans nos machins. Cactus, tu peux... Non. Cora, tu peux... Ouais. J'espère que la musique est pas trop forte. J'adore la musique de Rimworld. Je ne m'en lasse pas. Après des années. Et des centaines d'heures de jeu. Consommer, non. Ah, Cactus est déjà en train de la prendre. Ok, risque de démence, elle a deux doigts. Hein. Elle va nous... Oh, elle trouve une douleur aiguë, mais pourquoi? Parce que t'es en train de... T'as une intoxication alimentaire. Ok, va au lit, ma poule. Ça, on va le passer, on va arrêter de le mettre en prisonnier, on va le passer en hôpital. Je peux pas aller... Ah non, c'est pas considéré, ok. Ah oui, même en facile, vous avez déjà tout ça à gérer. C'est pour ça que je vous parle pas, là, qu'on est en train de jouer en randy, machin, mécanoïde, qui... Non, rien que là, déjà, tu vois, faut arriver à gérer tout ton truc comme il faut. Rien que ça, déjà, c'est de la survie, hein. Ok, ça. On va mettre Cactus. Je vais mettre Cora pour l'instant. Je vais mettre Cora pour... Non, retirer. Retirer. Faut que Cora, fais pas de la merde, je t'en supplie. Voilà, ça c'est ton lit, ma poule. Alors c'est un peu nul pour l'instant. Mais comme ça, t'as une chambre meilleure que les autres. On va voir si elle a bien le bonus. La vie d'une chambre impressionnante. Rejet de knipe, c'est bon, ça redescend.
elle remonte, regardez. Sa barre d'humeur, incroyable. Elle veut pas aller au lit, évidemment. Là, tout roule, hein. Sur le reste, on est bien. Hein. Sur la map, on a nos petits machins. Ok. On va terminer d'aménager un peu les chambres, maintenant qu'ils ont fait au moins les lits. On va leur mettre une petite commode, donc on regarde que la commode, paf, donne un petit bonus de confort à tous les lits à proximité. Placer plus d'une commode près du même lit n'aura aucun effet. Donc on sait qu'il faut en mettre une par chambre, mais on le voit. Vous voyez, il y a un petit trait, hop, et puis on recule et moins il l'est. Tac, et on passe sur l'autre. Donc ouais, bien sûr, évidemment qu'on veut ça. C'est horrible, mon idée de truc. Hein. Vraiment le pire truc. Hop, on en met une dans chaque chambre. Tac. Tac. Voilà. Ouh. On a assez de bois. On va espérer. La nourriture. On a encore 10 plats. Ça va. Il y a encore un peu de bouffe de rab. C'est cool. On a Cactus qui s'ennuie. Est-ce que tu fais du minage, Cactus? Non, t'es nul en minage, gros. T'es nul en minage. Bah, coupe du bois. Bois, coupe des tonnes de bois. Ah, oh, des tonnes de bois par contre. Peut-être pas forcément parce qu'il faut la place pour le stocker. C'est cool de jouer comme ça aussi en vanilla un petit peu. Ça change. Hein. Je préfère modder le jeu personnellement. Et je pense que pour démarrer, il faut connaître un petit peu le jeu de base. On va leur mettre des petites tables de nuit aussi, évidemment. Donc elles sont là, tables de nuit. Une petite table de chevet, en lit à proximité un peu plus confortable, doit être placée directement à côté de leur tête. Placer plus d'une table de chevet près du même lit n'aura aucun effet. Il n'y a pas de petit trait, c'est marrant. Est-ce que là, il va me le compter comme la tête? Je sais même pas, d'ailleurs. Parce que je fais jamais des lits comme ça, hein, d'habitude. Moi, c'est toujours très carré. On va en mettre une là, eux, déjà. Et puis, on va leur mettre là, hein, au pire. Ah, si, on le voit, le petit trait, non? Ah oui, on le voit si on est vraiment à côté de la tête, quoi. Là, genre, il n'y est pas. Regardez. J'apprends les choses avec vous, c'est pas incroyable? Vous voyez le trait, là? Il est ridicule, là. Hein. Il est juste là. Regarde. Ok, bah, vous voyez, j'apprends avec vous, alors. On a combien dans les chambres? 31 degrés. Oh là là, dis donc, il fait un peu chaud chez vous. Hein. Et moi, j'aime bien aussi leur mettre un petit truc de déco. Mais là, je vais le mettre que pour Cora, du coup, pour être sûr qu'elle ait une chambre meilleure que tout le monde. C'est un petit pot de fleurs. Knipe, il dort encore ici. Je peux peut-être lui donner une autre chambre, d'ailleurs. Qu'est-ce que je... Knipe, viens là. Et là, on mettra Cactus, du coup, et Bonnard dans celle-là. On voit que là... Ah, c'est très léger. Hein. Le houblon commence à rentrer. Et pour ça, ça serait bien de se faire un petit atelier. On peut se le faire. Hein. On peut se le faire. Là, on a un début de truc. Rangez ça, les gars. Rangez ça. Structure. On n'a plus de bois, je sais. Ah, non. Faut que j'attende. En vrai, j'aurais pas dû faire de... De houblon. Si vous voulez arrêter une... voilà, vous avez planté ça et puis vous dites en fait le houblon c'est chiant parce que le houblon, pour le faire, il me faut... je l'ai même pas encore débloqué. Donc oui, c'est pour ça que ça sert vraiment rien de le faire. Après, tu peux, on peut y vendre. Hein. Vous pouvez toujours vendre tous les trucs que vous avez en trop comme ça. Mais sinon, si vous voulez l'arrêter dans votre culture, vous faites juste ça. Non, je t'en supplie. La gueule. Oui. Merci. Hop, vous cliquez là, et soit vous changez, soit vous dites non, mais je veux arrêter le houblon pour l'instant, mais je vais en refaire plus tard. Et dans ce cas, vous juste vous, hop, vous enlevez l'autorisation des semis. Voilà, comme ça, ils vont ramasser dès que la prochaine récolte, là, mais ils ne replanteront pas derrière. Caravane est arrivée à Croquette, je sais même plus comment s'appelait Croquette, incroyable. Donc là, notre bonnard, il revient. Où est-il? Là, il arrive, mon petit chou. Le loup qui passe de l'autre côté. J'aurais pu mettre des portes, hein, ici, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Pour leur éviter de se faire chier à faire comme ça. Comme ça justement ils peuvent rentrer directement par là, mais par contre les méchants eux font toujours le tour par là. Ok. Là tout le monde a son lit là, hop. Bonnard, tu dors ici mon vieux. Hop là, on voit ils ont un petit cœur, voilà. Oh là là. Allez les comme ils sont. Attention hein. Se calme. Il n'y a pas le mode d'enfant, ça va. Il y a un mode enfant, oui, qui existe. Il est très marrant. Je n'ai pas gardé longtemps, parce que pareil, c'est pas... m'attirait pas plus que ça. Ok. Sur quoi on part? Maintenant qu'on a trois chambres, on a combien de temps de vidéo? On a 50 minutes, on va peut-être s'arrêter d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de plus, là. Je trouve que c'est un bon résumé. Là, après, même un troisième épisode, je vois pas si ça servira à grand-chose.
pas sûr que ça serve vraiment à grand chose. Parce que là, on a vu les bases du truc, tu vois. Tu te poses, tu fais tes petites chambres, tu fais tes machins, tu te fais un truc, et puis après, bah, tu te développes, quoi. Tu construis une petite cuisine avec salle à manger collée, une grande salle des fêtes pas trop loin aussi pour qu'ils puissent s'éclater. Dans ta salle des fêtes, tu bourres des loisirs divers et variés. Tu t'améliores un peu ton stockage. Je sais pas comment ça se passe au niveau du stockage sans les mods. J'ai tellement l'habitude de jouer avec des trucs full modés. Ouais, vous avez des petites étagères, des petites commodes. Je crois que dans les commodes, on peut ranger des trucs, non? Non, pas du tout. La table de nuit, pareil. Donc ouais, non. On a vraiment que ça en rangement. Y'a que ces étagères nulles de base dans le jeu. Les caisses à outils, non, on peut rien les ranger dedans. Sarcophage, les pondoirs, ouais, d'accord. J'ai encore jamais servi de cette saloperie. Ah ouais, c'est marrant ça, hein. Après, peut-être qu'on a des trucs à débloquer dans la recherche, non? Ah là, je découvre vraiment avec vous, parce que moi, je suis tellement éclaté de mode d'habitude que... Le jeu de base... Revenir aux sources comme ça. J'ai l'impression, hein. Les lits médicaux, les télévisions à écran plat, ouais, c'est cool. C'est pour la construction du vaisseau. Moniteur, petite vidéo. Non, je crois qu'il n'y a rien. Ah ouais, c'est le néant quand même, hein. N'hésitez pas à modder votre jeu. Jouez quelques heures, faites vos premières parties comme ça pour vraiment apprendre les bases. Et après, soit vous regardez mes anciennes saisons, ou la nouvelle qui va sortir dans pas longtemps, là, je pense après Noël. Ouais, je pense début janvier, j'essaierai de sortir une nouvelle saison full modée. Mais n'hésitez pas à rajouter des trucs, des machins. Il y en a plein. Il y en a pour tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment pour tout ce que vous voulez. Donc voilà. Là, il faudra améliorer tout ça. Les chambres sont faites et tout. Je pense que j'ai pas besoin en vrai de faire un troisième épisode de tuto. Pas sûr que ça sert vraiment. Ouais, il y a le danger antique. Oui, bon. On verra ce que vous me dites dans les commentaires. Si on s'en fait un petit troisième pour le plaisir. Mais là, on a fait la base, quoi. Vous voyez, vous êtes sécure là. Vous avez fait votre petite entrée. Avec votre machin, n'oubliez pas la porte sur le côté, hein. Et surtout de mettre vos trucs, sinon vous, ça fait comme on a vu avec Cora. Vous allez vous faire la thé, mais par vos propres pièges. L'énergie géothermie, bon, on est au début de recherche, mais voilà, voilà pourquoi je... Bon, c'est vraiment, c'est comme vous voulez, hein. Parce que ça prend beaucoup de temps à faire, et quand vous êtes que 3-4 colons... Moi souvent j'aime bien te débarrer avec EDB prépare carrefourlé avec 5 colons, vous pouvez le faire aussi. C'est un peu plus simple, et surtout parce que vous êtes souvent nombreux à vouloir rejoindre la colonie. On se met rejoindre l'expérience, quoi. Ça sont des arbres à courbure. On va même faire les arbres à double courbure qui sont un peu plus puissants. Là, ça vaut 400. On peut démarrer comme ça, hein, vraiment chill, tranquille. Hein. Moi, j'ai tellement l'habitude que tu vois, même là, je suis déjà parti. Bam, géothermie, bam, bam. Calme-toi. Donc voilà, bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps pour ce deuxième épisode tuto. J'espère qu'il vous a plu. On aura découvert un petit peu moins de trucs. C'est normal, hein. Le plus long, c'est les modes, c'est tout ça, c'est les options du jeu. Là, après, c'est plus démerdez-vous, quoi. Hein. Éclatez-vous, démerdez-vous, laissez libre cours à votre imagination et éclatez-vous à fond. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye!